Alors nous sommes ici à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines pour parler de cette passerelle que vous voyez derrière moi, qui est une passerelle qui permet de traverser, de franchir les voies de chemin de fer entre le quartier du Pas-du-Lac, situé au nord, et le quartier Saint-Quentin, situé plus au sud. Cette passerelle, elle est réalisée en 1980 et 1981. C'est une collaboration étroite entre un architecte qui s'appelle Renzo Moro et un artiste, Carlos Cruz Diez. Avant 1980, il y a une petite gare à Saint-Quentin-en-Yvelines qui est la gare annexe. On en voit encore les bâtiments aujourd'hui. Mais l'autre partie de la gare au sud n'existe pas encore. Elle sera construite uniquement dans les années 80, à l'époque où naît le quartier Saint-Quentin, qui est destiné à être l'hypercentre de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a commencé à être construite à partir de 1972. Et une œuvre d'art permettra de rendre cet espace ludique, joli, et vraiment de mettre de la magie dans un environnement qui n'est pas forcément facile, comme une gare, comme on a ici. Alors nous sommes ici à l'intérieur de la passerelle et vous voyez l'œuvre de Carlos Cruz Diez qui prend place au plafond et qui s'intègre parfaitement à l'architecture puisque l'architecture et l'œuvre ont été conçues exactement en même temps et en concertation entre l'architecte et l'artiste. Et l'éclairage a été conçu avec les ingénieurs pour avoir une lumière artificielle qui permette de faire vibrer la couleur sur les bandes de tôle peinte. Cette lumière artificielle, elle est complétée par la lumière naturelle des bandeaux de fenêtres qui sont sur les côtés. Carlos Cruz Diez, c'est un artiste qui est originaire du Venezuela et qui est internationalement connu pour ses œuvres d'art cinétiques. Ça veut dire quoi? C'est des œuvres d'art qui jouent avec le mouvement. Si on se déplace, on pourra saisir des teintes qui sont virtuelles, qui n'existent pas dans l'œuvre elle-même, mais que l'œil voit parce que Carlos Cruz Diez appelle les couleurs additives. C'est-à-dire qu'à la jonction entre deux zones colorées, une troisième bande virtuelle plus claire va se former, qu'on va voir alors qu'elle n'existe pas. Et c'est cette magie de la couleur qui naît d'elle-même, qui est virtuelle, que l'artiste veut rendre ici. Entre chaque lamelle de tôle, il y a quatre bandes colorées, une bleue, une verte, une jaune et une orange, que l'on voit différemment en fonction de la lumière qui vient de l'extérieur, mais aussi de la vitesse de déplacement du spectateur. Cette passerelle, elle a été restaurée en 2012 et Carlos Cruz Diez, qui est venu à plusieurs reprises, disait qu'il appréciait vraiment l'entretien et la valorisation qui était faite. Il est vrai que cette passerelle, elle est ouverte jour et nuit. Il y a un nombre très important de piétons qui l'empruntent et l'œuvre est vraiment respectée, ne connaît pas du tout de dégradation alors que tout est très accessible. Elle va être un peu transformée dans les temps à venir pour donner accès directement aux voies depuis cette passerelle, aux voies des trains. Donc il y a aussi de nouveaux flux qui vont passer par là et donc qui pourront profiter de cette œuvre au plafond de Carlos Cruz Diez.